Bonsoir à tout le monde. Donc, Abdine, comment vas-tu? Foniké, comment vas-tu? Donc, il y a eu tellement d'appels, des messages et par-ci, par-là, là. Écoutez, vous connaissez ma sensibilité. Voilà, je m'excite pas. Voilà, je ne m'excite pas. Ça dit, je ne cours pas après les choses. Excusez-moi très fort. Dans ce petit direct, je m'adresserai au patriarche. Au patriarcat ou au patriarche de Kissidougou. Est-ce qu'on peut? Au patriarche de Kissidougou. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démagogues qui avaient commencé à acheter les billets pour quitter le pays. Vous savez, nous sommes trop forts dans la tête. Les injures aux autres là n'ont jamais dérangé les autres. Mais je voudrais commencer par remercier Elaz Selloula Ndiallo. Oui. Après le message du professeur Alpha Condé qui a fait trembler, on est allé jusqu'à parler de coup d'État en préparation au Libéria. Vous avez vu que c'est resté l'eau dans marmite. Et là, c'est dans le dialogue, parle aujourd'hui. On fait un petit mouvement pour distraire les gens, s'il vous plaît. Ne m'emballez pas. Moi, je ne suis pas un homme TikTok, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un même qui me, il y a quelqu'un qui me dit quelque part, ah Benito, je te vois sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai ni compte de TikTok, je ne suis pas sur TikTok. Des gens qui font des montages et puis envoient sur TikTok. Est-ce que vous comprenez? Donc, enlevez-moi dans ça. Je voudrais m'adresser. C'est tous ceux qui connaissent Souleymane Ba qu'on appelle, c'est comment on l'appelle, Ba Big Soul, c'est Soul, hein? Big Soul, c'est pas Big Soul 224. Moi, je t'en veux pas parce que ce que j'appelle l'éducation, né dit quoi? Comme tu n'as pas dit mon nom, à cause de tes propos, c'est pas si c'est d'aujourd'hui, les gens sont allés faire des montages. Ils ont mis ma photo là-bas et la photo de Damaro. Ou la Barinda de quoi? Parce que c'est le travail des gens qui ne sont pas des gars. Ça, c'est le travail des faibles, Barinda. C'est le travail des faibles. Tu dis le nom et puis ça passe. Mais moi, je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un blogueur. Je suis activiste et lanceur d'alerte. C'est différent. Quelque part, tu dis, il y a une vidéo, tu dis que tu as grandi en Côte d'Ivoire, que tu es presque tout est en Côte d'Ivoire, et tu es de Pita. Moi, je suis né à Pita. Moi, je suis né à Pita, plus précisément à Dongoltouma, qui est devenu une grande sous-préfecture aujourd'hui. Mais petit, même en te voyant, il y a quelque entre parenthèses. L'anga bien, Nyandenda, qui est ta photo affichée en aperitif. C'est-à-dire, tu affiches ma photo à l'harmonie, que directement tu dis mon nom. Wondri Allah, autant. Wondri Allah, wallahi billahi ta'ala. Il y a de ces personnes-là que je pardonne. Il y a de ces personnes-là, bien dans la misère. Laisse tomber. Misère. Mais moi, j'ai l'amour pour trois préfectures, c'est-à-dire parmi tous mes amours, mais j'ai l'amour pour trois préfectures. Là où je suis né, Pita, là où j'ai commencé mon école, l'Abbé, et des gens qui ont honoré le décès de mon papa, l'Abbé là, ils ont honoré mon père. Ont enterré mon père dignement à l'Abbé, l'Abbé à Concola là-bas. Dignement! Mon père a été enterré dignement à Concola. J'ai du respect pour la préfecture de l'Abbé. Et là où j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie, c'est Mamou. C'est-à-dire, je ne connais que Mamou, c'est dans ma tête, c'est chez moi. Ce n'est pas toi. J'ai fait un peu l'Elouma. J'ai fait un peu l'Elouma. J'ai une sœur qui est née à Lissansara, là-bas, vers les Tchangelbo. Dans ton direct là, tu fais, t'as dit dans ton direct là, tu ne parles pas d'autres personnes. C'est Damaro
toi, vous avez fait clash. Moi, je ne suis pas un enfant. Minami Bobo. Nani Bobo, Yann, Souleymane Ba, regarde-moi très bien. J'ai beaucoup de respect pour toi, petit. Mais tu parles de droit selon dans ton dit. Les gens qui ont parlé, qui parlaient de droit de l'homme, peut-être ils sont revenus par là. Mon ami, tu n'es pas un politicien. Selon toi, tu n'appartiens pas à un parti politique. Mais très malheureusement, il paraîtrait que, à cause de Baouri, tu es devenu politicien. Donc, comment nous avons des sorties contre Baouri? Et tu veux, moi j'ai le représentant de Baouri en France. C'est avant-hier. Hein? C'est avant-hier. Nous avons fait plus de 45 minutes au téléphone. Il est de Pita. On se connaît depuis. J'ai étudié avec son grand frère à Farana. Il m'a appelé. Il dit, ah, quand on a la son d'humain. En amusement, on a causé. Très bien causé. Mais je n'avais pas perdu mon temps sur toi. Comme Tori m'a dit, Allah, il te faut toi en honte dans tes directs là. Tu affiches ma photo. Tu affiches ma photo et puis tu fais un live. Mais on dit, Allah, je ne vais jamais te pardonner pour ça. Toutes mes vidéos sont là-bas. Je n'ai jamais mentionné ton nom une fois dans ma vie. Mais maintenant, je te connais pas. Pas Koussare. Pas Koussare me respecte. Je sais pourquoi. Il y a un grand respect entre le petit et moi. Mais en moi, spécialement, il y a toi. Parce qu'il y a l'autre là qui est à Kanka là-bas. Lui, il est déjà arrêté. Mais le jour où tu vas dire mon nom dans ton direct, je te promets, tu es en France, gros. La seule chance que tu auras commis, Maïo avant toi, ou bien Maïa avant moi, mais en Égypte, je vais te faire payer ça. Parce que moi, j'appelle ça Yaouré. Yaouré quoi? Yaouré. Toi qui défends le droit de l'homme, tu défends le droit de l'homme partout. Avant, on a dit que certaines personnes sont des moutons et autres là. Mon ami, et pourtant, tu dis que tu as grandi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là où tu vas, tu es fier de la Côte d'Ivoire. C'est un pays de troisième mandat. Alassane Ouattara a convoqué une réunion de son QG le 37, le 27, je crois bien. Il doit être candidat pour un quatrième mandat. La Côte d'Ivoire où tu tapes ta poitrine que tu as gagné là-bas, là. C'est un pays de troisième mandat. Tu comprends, non? Tu parles de droits de l'homme. Est-ce que tu connais l'histoire? Il y a plus de 90 leaders politiques qui sont en prison en Côte d'Ivoire, dans les mains de Alassane Ouattara. Les partisans de Bago, ils sont en prison. Hein? Mais c'est à cause ça, je dis que Yaouré, quoi, tu veux te foutre de moi. Il a un goré. Même mon troisième petit frère, là, Moïse Tchouma. Le troisième est plus âgé que toi, Moïse Tchouma. Je te le dis, hein. Mais pour toi, là, ça, Nyande affiche d'avant, mine quoi. Il t'en quoi, Yaouré. C'est à cause ça, je prends tout le monde témoin. Ande on m'a envoyé la vidéo, hein. Celle qui m'a envoyé la vidéo a un grand respect entre nous. Sinon, si c'était une autre personne là, il allait le regretter pourquoi il m'a envoyé ta vidéo. Mais attirons. Excusez-moi, ça c'est entre parenthèses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui m'ont appelé par rapport à ce qui se passe, écoutez, écoutez, mon direct là n'est pas lié à ça. Mon direct, je suis très content de la sortie, de la mise en garde des hommes qui les décideurs de ce pays. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, quand je suis assis, ceux qui doivent décider de l'avenir de ce pays-là, quand ceux-ci ne parlent pas, ça me fait mal. Dans ce pays-là, c'est les Sembla, les Diallo, les Alpha Condé, les Diabati Doré et autres qui doivent parler. C'est eux qui doivent décider, c'est eux. Parce que si tu entends électorat, masse électorale, vote, situation politique, c'est eux qui gèrent ça pour la Guinée. Quand j'ai écouté aujourd'hui Selda Diallo, j'étais très à l'aise. Très à l'aise.
Parce que vous l'avez entendu. Parce que voilà quelqu'un, un monsieur, un grand monsieur, un personnage très réfléchi qui prend en compte tout ce qui se passe dans ce pays. Et vous voyez, aujourd'hui, il a fait cas. Il a fait cas à l'attitude de la communauté internationale. Il a précisé, il a bien précisé que les gens attendaient, se sont patientés, et là, les masques ont tombé. Il a des amis, il a des relations, il appartient une grande organisation internationale, on appelle les libéraux. Aujourd'hui, ça fait depuis le passage de Dansa, parce que Dansa, c'est une réalité, il est l'équivalent du président de l'Assemblée nationale, sinon il est le président du Conseil national de la transition. Mais depuis qu'il est passé, c'est comme si on vous dit les deux sont dans lancés. Lui, je l'ai dit dans un réel, dans un petit délai de 1 minute, que s'il doit revenir à la raison, il a compris qu'il ne peut pas continuer à attendre, à écouter des paroles de ces gens-là. Et il a vu dans ce groupe-là, sortez-moi l'intellectuel. Il n'y en a pas. Celui qui était un intellectuel, c'était M. Belali. M. Belali, aujourd'hui, est couché à Dubaï avec nos millions de dollars, plus de 20 millions de dollars. Il est parti avec. Malgré que j'ai vu un de mes frères défendre, parce qu'ils sont tous de Dingré, dire que non, le montant, là, il a transcrit le montant là en milliards de francs, ils ne connaissent pas possible, et pourtant c'est une réalité. Donc, je vais commencer par faire écouter. Je sais que vous avez vu, mais nous allons écouter le monsieur parce que moi j'aime, j'ai dit, j'aime. Non, Mohamed Touré ne l'écoute pas. Frère Touré, c'est un perturbateur. Voilà, ne faites pas attention aux écrits des gens, quoi. S'il te plaît, il ne faut pas qu'il te manque de respect. Ce qu'il écrit en anglais là, parce que toi, tu es là, tu comprends anglais. Il veut juste me provoquer. Il faut le laisser. Voilà. Donc, je voudrais vous faire écouter, mais nous allons d'abord prendre une courte vidéo parce que nous parlons de droits de l'homme. Nous prenons ça pour montrer à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire l'organisation des Kagame, parce que ça appartient à Kagame. L'OIF, c'est pour Kagame. Kagame, aujourd'hui, à cause du génocide du Rwanda, il fait peur à tout le monde. Dès que tu te réunis, non, il accuse la France. Il a un deal avec la France. La France n'attaque plus le Rwanda. Depuis que la France a chargé le Rwanda de gérer Mamadi, de l'aider à intégrer, l'aider à récupérer ce pays, et lui, Kagame, profiter des richesses de ce pays, on n'attaque plus le Rwanda. On n'attaque plus le Rwanda. Allez-y voir tous les médias. Nous pouvons sortir les attaques des médias français jusqu'au jour où Kagame a commencé à gérer Mamadi. Nous pouvons faire le tableau, faire le parallèle, vous montrer les moments. Il n'y a plus d'attaque. Ça, vous comprenez. Mais lui, Kagame, il est un peu soupi parce que la Guinée n'est pas le Rwanda. Les gens confondent. C'est-à-dire, même la Guinée forestière est plus grande que le Rwanda. Vous comprenez? Donc, et la CDD, avant qu'on ne fasse passer la CDD, nous allons écouter c'est-à-dire la représentante des organisations des droits de l'homme dans le monde. Parce qu'il y a certaines personnes, tellement que nous avons été au pouvoir, ce qui s'est passé pendant notre gouvernance est un crime. Moi, mes vidéos au temps du professeur Fakoly là-bas, ceux qui ont commencé à me suivre il y a de cela 2 ans, savent très bien que je n'ai jamais dorloté un ministre d'Alpha-Condé. Les témoins sont là. Je n'ai jamais dorloté un ministre d'Alpha-Condé. Allez-y voir. Mes vidéos sont là-bas, les anciennes vidéos. N'y a pas un ministre d'Alpha-Condé qui peut me regarder en face. On sait ce qu'on s'est dit. Donc,
La représentante prend en compte, résume la situation, tandis qu'à certaines personnes, quand il y a des événements, ils font croire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Ils font croire comme s'il n'y a pas d'exilés. Ils font croire comme si... Et pourtant, si vous voulez défendre tout le monde, vous prenez tous en compte. Nous allons commencer par écouter ça parce que j'ai encadré la petite vidéo pour répondre à l'OIF. Parce que l'OIF parle de liberté de la presse dans ce pays. L'OIF parle des droits de l'homme. Évolué en Guinée, selon eux, les droits de l'homme a évolué dans ce pays. Le lendemain de l'assassinat de comment on appelle ça, de Célestin. Tellement que Dieu sait faire les choses. Grâce quand tu es Mantara, on a dit. Vous comprenez? Comme s'il y avait une... C'est-à-dire, l'OIF lève les sanctions contre la Guinée, pas pour aider la Guinée, parce que nous allons partir aux élections. Parce que là, comme on dit, arrivé comme ça, l'OIF s'est rendu compte qu'ils n'ont plus le contrôle de la situation administrative liée aux élections. Allez-y voir la toile. Regardez tous les communiqués du gouvernement. Vous ne verrez nulle part un communiqué du ministre de l'administration du territoire. C'est lui qui est chargé, au moins, de parler d'élection. Allez-y voir partout. Il n'y en a pas. On dirait qu'il n'y a pas de ministère de l'administration du territoire. La dernière fois que le ministre Condé, général Condé, est sorti, c'était l'installation des communes de Conakry. Allez-y voir. Aucun communiqué, on dirait tout s'est limité à ça. Installer les chefs de quartier, installer les maires, parce que les délégués, excusez-moi, ce ne sont pas des maires, ce sont des délégués. C'était pour les élections, mais on a dit d'arrêter là-bas, parce qu'il n'y aura pas d'élection. Lui aussi s'est arrêté là-bas, et le département ne fonctionne plus. Maintenant, l'OIF vient au secours, parce que bientôt, il va envoyer une lettre à LH, pour dire LH, nous voulons rencontrer les principaux partis politiques. Mais comme le monsieur là, c'est un administrateur, Ségolène Diallo, c'est quelqu'un, sauf s'il se laisse faire, hein. Sauf s'il se laisse faire. C'est comme ça qu'on dit souvent, on dit non, s'il seul lui accepte, on peut le tromper. S'il accepte. C'est s'il accepte, on le trompe. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est très averti. Il n'a même pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de conseiller par rapport aux agissements de certaines institutions internationales, aux agissements de certains diplomates. Il connaît les techniques, les approches pour tromper. Au RPG, nous sommes catégoriques. Au RPG, nous avons déjà acté. Nous n'irons pas aux élections avec Mamadi Doumbouya. Mettez les cœurs, ils sont là. Nous n'irons pas aux élections avec Mamadi Doumbouya. Je l'ai dit, et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est confirmé. Tout le monde le dit au sein du RPG. Nous n'irons pas aux élections avec Doumbia. Une élection organisée par Doumbia est une guerre civile. C'est une guerre civile parce que aujourd'hui nous avons vu ce qui s'est passé à Conakry. Je vais faire le petit résumé. Je me suis bien informé parce que lorsque les événements en parlent, les gens sont chauds, chauds, chauds. Je me suis très bien informé. Le petit m'a bien expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit, grand, attends d'abord, quand la situation sera totalement sous contrôle, je vais t'appeler. Mais il m'a dit, le problème, c'est entre. C'est entre Spartacus et Mamadi. Je dis, ouais, c'est entre Spartacus, Mouktar Kaba et Mamadi. Voilà, c'est entre Spartacus et Mamadi Doumbouya. Et Mamadi charge Baba d'appeler Spartacus. Voilà tout. Et pourtant, Baba est l'adjoint de Spartacus. Donc, ce n'est pas à Baba de convoquer Spartacus. Appelle Oudi. C'est tout, hein. Il n'y a rien de... C'est-à-dire, les gens... Et vous avez vu le communiqué d'Amara. Excusez-moi. Oh. Je n'ai pas le temps. Vous avez vu le communiqué d'Amara. Un communiqué qui n'a pas... Est-ce que c'est Amara même qui l'a écrit? Est-ce d'ailleurs c'est Amara qui l'a écrit? Parce que c'est un communiqué... Ni signature, ni cachet. Quelqu'un a profité pour faire sa vie. Parce qu'Amara ne peut pas écrire comme ça. Amara n'est pas allé à l'école jusqu'à faire écouter
Ils s'intéressent même à ceux qui, les personnes qui sont à l'étranger. L'étranger, les blogueurs sont devenus un souci pour eux. C'est comme si c'est nous. Parce qu'il nous accuse dans le communiqué, c'est lui qui est. Moi, je ne dis pas que c'est Amara parce qu'il n'a. Je connais la signature d'Amara. Amara, je connais la signature d'Amara. Un document qui n'est pas signé, je n'attribuerai pas ça à quelqu'un. Un document qui n'est pas signé, un document qui n'est pas signé, qui n'est pas cacheté, je ne l'attribuerai pas parce qu'Amara n'a pas le niveau académique pour même écrire comme ça. Lisez, regardez. C'est quelqu'un dans la précipitation autour. Bah, tout ça là, tu vas voir, c'est Doumbouya, Amad Doumbouya. Amad Doumbouya, notre frère de Doumbouya. Ou bien Lassana, le petit, son petit frère. Les gens sont actuellement, ils sont paniqués. Dès qu'il y a des tirs, ils sont paniqués parce qu'ils pensent à tout ce qu'ils ont construit parce qu'on les avait donné une garantie. On dit non, construisez, prenez les terrains des gens, tuez les gens, vous n'avez pas de problème, je vais rester au pouvoir. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Je le répète aujourd'hui. Jusque-là, ce sont des spéculations. Le jour où Mamadi Doumbouya ou quelqu'un d'autre viendra nous dire, regardez les Guinéens pour dire que Doumbouya peut être candidat. Je vous le jure, ce jour-là, c'est fini. C'est la fin de Mamadi Doumbouya. Donc, c'est le petit résumé. En fait, c'est ça. Ne suivez pas, on dit non, les forces spéciales. Non, non, non. Parce qu'il y a des accusations. Vous savez, c'est ce qui est arrivé entre Toumba et Dadis. Les multitudes de morts là, il y a des institutions qui demandent des comptes. Il y a des ambassades qui commencent à s'inquiéter. Maintenant, on cherche un responsable. Les tueries là, de l'Axe, parce que c'est les peu qu'on tue hein, dans ce pays-là, que tu l'aimes le dire ou pas, on sait. Voilà, dans ce pays-là, c'est eux qu'on tue. Ma femme, madame, comment vas-tu? Et l'enfant, c'est eux qu'on tue ici. Vous comprenez? Donc, c'est eux qu'on tue. Donc, s'il vous plaît, je ne rentre pas dans un jeu qui n'est pas important. C'est pour me distraire. Moi, l'affaire, parce que quel que soit ce qui va arriver là, ce n'est pas le vœu de Benito qu'un élément des forces spéciales remplace Mamadi. Je ne veux pas qu'un élément des forces spéciales remplace Mamadi. Parce que ce que vous ne savez pas, tout ceci là a un compte à rendre par rapport aux morts du 5 septembre. Toutes ces familles-là sont rendues. N'ont pas fait leur deuil d'abord. Donnez-moi le nom d'une famille qui a fait son deuil. Aucune famille du 5 septembre. 3 ans aujourd'hui, personne n'a fait son deuil. Où se trouvent les corps? Comment ils sont morts? Vous pensez? Et puis les principaux, c'est-à-dire les principaux éléments, ceux qui ont été très actifs le 5 septembre, il fait partie, lui, Spartacus, Baba Bari, Alia, c'est eux-là. C'est-à-dire c'est le cerveau même des opérations. Parce que certains pensent que Mukhtar Kaba, même s'il prenait Doumbia aujourd'hui, parce que là, on a sa vie en danger. Mukhtar Kaba, sa vie en danger. Quelqu'un ne me dira pas le contraire. Là où il est comme ça, sa vie est en danger. Parce que je ne sais pas s'il est rentré. En tout cas, jusque-là, là où je parle comme ça, là, je ne crois pas que Mukhtar Kaba est rentré, il est parti voir Doumbouya, non. Le groupe que vous avez vu dans le port, là, ce sont les gens de Baba. Voilà, ça c'est les petits de Baba, Baba et son groupe. Mais Spartacus, je ne crois pas, parce que jusque-là, je n'ai pas l'information qu'il est rentré. Mais regardez, vous, la population, les Kalunka, vos enfants qui nous disent, parce que c'est comme ça, tout se passe à Kaloum. Propagande, mensonge, tout c'est dans Kaloum là. Les artistes, les témoins, les Nyarimarais, tout est Kaloum. Où sont-ils aujourd'hui? Lorsque ça a commencé à tirer, est-ce que vous avez vu un artiste sortir pour dire Mouamba Finkari Roma, Mouamba Doumbouya, qui est sorti? Personne n'est sorti. Les gens sont rentrés. Personne n'est sorti. Personne. Les gens sont rentrés. Jusqu'à aujourd'hui,
Dodi allait menacer Diabaté Doré. Parce qu'on met tous, on dit Diabaté Doré était à la base de l'échec du lancement de la campagne du CNDD en forêt. On fait croire aux gens que Diabaté Doré est en contact avec nous. Tout ce que nous avons dit là, Diabaté Doré est parti exécuter ça à Zérékouré. Et pourtant, c'est un fils de la forêt. Diabaté Doré n'a fait que répéter ce qui se passe. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre en prison les officiers supérieurs forestiers, exécuter les officiers supérieurs forestiers, prendre nos cadres, les mettre en prison, hein, et puis se mettre contre nous. Et puis aller demander pardon. On vous demande pourquoi vous demandez pardon. Ça, ce n'est pas un problème. C'est comme le patriarcat de Kissidougou, nous l'avons vu. Il est en train mais malheureusement, il était très déçu parce que on dit la jeunesse de Sigrin est venue voir le patriarcat pour accepter tel, tel, tel. Il n'y avait même pas 50 personnes. Donc, vous les démagogues là, vous avez vu les enfants. Il n'y a pas un militaire qui était dans la rue de Kaloum aujourd'hui qui avait 30 ans. C'est des enfants qui ont 19 ans, 20 ans, qui ont des calaches. Les enfants des forces spéciales ne connaissent pas la guerre. Ces enfants-là n'ont jamais été au front. Ces enfants-là ne connaissent pas les dangers des armes. Ces enfants-là, vous les envoyez au Mali, personne ne va revenir. Ils vont tous mourir. Regardez comment les enfants se promenaient en plein carrefour. Ils sont pas protégés, ils sont en plein carrefour. Ils ne savent pas qu'ils sont extrêmement exposés. Regardez comment ils marchaient dans les rues de Kaloum. Non, vous, peut-être parmi vous, il y a des enfants des militaires. Mais est-ce qu'un soldat, un vrai soldat, peut s'exposer comme ça? Il y a des snipers, il y a certains qui. Mais on peut les. Regardez-les aujourd'hui. Facilement, on peut tirer sur eux. D'ailleurs, on dit qu'il y a il y a d'autres militaires qui sont cachés. Imaginez-vous. Et puis, c'est pour arrêter les gens. Moi, j'ai vu deux ou trois personnes qui m'ont écrit qui sont en train de retirer les téléphones des gens. Ça, moi, je peux croire à ça. Ils sont en train de retirer les téléphones des gens. Je peux croire à ça. Oui. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas à Kankan, on tue un pédiatre parce qu'il a brûlé la photo de Doumbouya. Parce que regardez la vie de ce monsieur-là. À cause d'une photo, à cause d'une photo, ils ont frappé le monsieur à mort. En ce temps, voilà quelqu'un de Kankan ici, qu'on appelle Nsori Kaké, qui est en train de vivre ses nuits. À Kankan même, on tue un pédiatre. Les pédiatres traitent les enfants. Les pédiatres sont les spécialistes du traitement des enfants. Les pédiatres, c'est les enfants, ils sont spécialistes des maladies infantiles. Les pédiatres, c'est-à-dire un pédiatre, nous avons perdu un pédiatre. Ils l'ont tué, ils l'ont frappé à mort à cause d'une photo. Je vous dis, on peut réparer, on peut refaire la photo d'Oumbouya en 2 heures, mais on préférait liquider le pédiatre qui a fait médecine, qui a fait des formations. Non. Donc, nous allons d'abord écouter ces deux vidéos pour conclure, s'il vous plaît. Nous allons commencer par ça d'abord. Écoutez ce monsieur-là. Écoutez-le très bien. Je pense que. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a tombé le masque après avoir cherché pendant 3 ans à gagner du temps et à abuser de la confiance et du soutien de notre peuple. Sa candidature à sa propre succession, alors qu'il a juré en tant qu'officier sur le Coran devant l'armée, le peuple de Guinée et la communauté internationale, de ne pas prendre part aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sa candidature, dis-je, serait une haute trahison de sa parole d'honneur et donc un grave parachute personnel. La communauté internationale,
qui a espéré tant et jusqu'au bout qu'il joindrait l'acte à la parole, est aussi floué que notre peuple trahit. Ouais. À chacun d'entre nous, donc, voilà, prendre ses responsabilités dès maintenant, devant sa conscience et l'histoire, pour empêcher à tout prix et par tous les moyens la forfaiture de se produire, en étant aux côtés du peuple martyr de Guinée dans sa quête légitime de liberté, de justice et de démocratie. J'en appelle donc à toutes les forces vives du pays, civiles et militaires, de l'intérieur et de l'étranger, d'agir en parfaite synergie pour s'opposer avec fermeté et détermination à la volonté du général de commettre ce parjure pour confisquer le pouvoir à son profit personnel et pour les intérêts exclusifs de son plan civilo-militaire. Nous devons tous réagir avec une combativité à la mesure de l'affront et de la provocation. Le général Mamadi Doumbouya et ses soutiens et alliés seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait à la suite de l'épreuve de force qu'ils veulent engager avec le peuple de Guinée et de toutes les conséquences. Le français, c'est-à-dire le français limpide, le français limpide, c'est-à-dire le français propre, c'est-à-dire la précision de taille, c'est-à-dire le résumé de 3 ans de tout ce qui s'est passé. Le monsieur l'a dit en 3 paragraphes et puis c'est terminé. Le général, c'est. Il a dit, mais comment il a dit même, le général et ses soutiens seront tenus responsables et portant. Ça, c'est le français. Voilà, c'est le français. Ça, c'est le français. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle parjure. Vous ne comprenez pas le mot parjure. C'était le juge qui parlait de ça. Le juge. Vous avez entendu le juge dire encore la même chose lors de sa prestation-là. Le juge l'avait dit. On dirait que le juge l'avait prévu, c'est-à-dire savait que cela allait arriver. C'est celui-là, l'Indialo, qui revient mort, c'est-à-dire qui le rappelle. Mais cette fois-ci, il additionne ses soutiens. Ses soutiens. Merci, Elash. Konongo wa Porto. Alors, Konongo wa Porto. Maintenant, on met un fou, il sert. Donc, nous allons revenir aussi sur une autre vidéo. S'il vous plaît. Attendez. Parce qu'Aldoul Konon, que le monde se limite à leurs sentiments. Parce qu'il a dit, uniquement pour son intérêt, et l'intérêt de son clan. C'est à cause de ça, il veut coûte coûte organiser l'élection et se présenter. C'est pour son intérêt. Pour son intérêt. Voilà. Donc, attendez, je vais terminer par ça. On va se comprendre. On va écouter ça aussi. Ceux qui ont la mémoire courte là, les petits articles là, écoutez, non, la Guinée, tout va bien, 2 000 km qui ont été faits, on se tait. Africaine pour la défense des droits de l'homme. Écoutez. Monsieur le Président, la radio souhaite porter l'attention du Conseil sur la situation alarmante des droits de l'homme en République de Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, la junte militaire dirigée par le général Mamadi Doumbouya s'est emparée du pouvoir évinçant le président Alpha Condé. La radio dénonce le verrouillage de l'espace civique et politique par le pouvoir militaire en place. Depuis leur prise de pouvoir, les organisations politiques et associatives se sont vues refuser l'exercice de leur liberté fondamentale par l'interdiction systématique de manifestations, la restriction de l'accès aux réseaux sociaux et la suppression de nombreux sites et médias d'information. De plus, notre organisation condamne fermement les arrestations et la détention arbitraire d'opposants et de membres de la société civile se multipliant dans une impunité totale. Notre organisation est par ailleurs terriblement préoccupée par l'arrestation et la disparition d'un de ses membres, Omar Sylla, alias Fonike Mangue. Irruption de groupes armés au domicile de l'activiste sans motif ni mandat de perquisition est en violation directe des normes des droits humains et du droit international.
Dans cette situation critique, la RADO condamne sans réserve l'instauration d'un climat politique et social répressif en Guinée. Oui. Exige de la junte militaire la libération inconditionnelle des personnes arbitrairement détenues. Oui. Demande au Conseil des droits de l'homme, à la communauté africaine et internationale de rompre le silence et de dénoncer les allégements de la junte militaire en République de Guinée. Oui. Et enfin, invite la tenue d'élections présidentielles libres et transparentes dans les plus brefs délais. Je vous remercie pour votre attention. Merci. C'est tout. Elle a résumé tout. Tout. Là. Mais vous, les petits supporters, là, vous pensez que vous allez. C'est-à-dire, vous faites. C'est, votre bavada, là, c'est dans Petit Kaloum, là. Le monde entier. Ça, c'est le Conseil des droits de l'homme. C'est-à-dire, ça, c'est la sommité de la surveillance des droits de l'homme dans le monde. C'est eux, là, qui notent les pays. C'est eux, là. Le Conseil des droits de l'homme, là. C'est eux qui envoient le signal de. Au niveau de toutes les institutions, si on doit financer un pays ou pas. Donc, voilà, elle est venue défendre, là, c'est la RADO. Elle parle d'agissement. C'est la vérité. Coupure d'Internet, fermeture des médias, les prisonniers politiques, disparition de Foniké Mangé, tout. Ou bien, c'est pas ce qui se passe. La violation de l'homme. Et puis, des assassinat ciblé, ainsi tout ce qui se passe. Mais il y a certains qui veulent faire croire aux uns et aux autres que tout va bien en Guinée. Ce qui est assis dans vos petits esprits là, en train de penser que tout va bien dans ce pays là. Les autres là, ils voient, ils ont les informations à Conakry. Et puis, vous pouvez fermer, parce que comme vous savez fermer les choses, allez-y fermer aussi. Allez-y fermer la radio ou bien allez fermer aussi le Conseil des droits de l'homme. N'importe quoi. Nous allons terminer par ça, s'il vous plaît. En vous disant bonne nuit, excusez-moi pour le retard aujourd'hui. Voilà, si je le trouve, au aucun contraire, il n'y a pas de souci, on laisse tomber. Voilà. Demain, nous allons parler de ça, du patriarcat de Kissidougou. Pour les enfants de Kissidougou, les enfants de Kissidougou. S'il vous plaît. Vous avez vu ce qui s'est passé. Ça, c'est le patriarcat. Regardez. Ça, c'est le patriarcat. Regardez, ça, c'est tout Kissidougou. Ça. Regardez Kissidougou. Kissidougou est plus grand que Farana. Kissidougou est plus. C'est la préfecture la plus peuplée. Je ne parle pas des capitales régionales. Les 8 capitales régionales. Capitales administratives régionales. Mais en matière de préfecture. En matière de préfecture. Qui sera la préfecture la plus grande, la plus peuplée. Kissidougou. Mais regardez, ils sont sur le patriarcat. Demain, Inch'Allah, nous allons parler de ça. C'est pour l'accueil de Morikone. Ça, c'est pour que. Ça, c'est pour Morikone. Pour les frères, nous allons donner des informations sur ce qui se passe. Parce que c'est l'artiste qu'on appelle DK Kamano, DK Kwala, c'est lui qui le dit dans un direct. Où il insulte le RPG, il nous traite de tout. Moi, je ne le répondrai pas, c'est un artiste. Mais c'est lui qui le dit, hein. Il dit, selon lui, selon sa vie, allez-y écouter, DKK. Il dit que 2 milliards ont été partagés dans toutes les préfectures pour le soutien à Mamadi Doumbouya. C'est lui qui le dit, hein. La vidéo est là-bas. Il le dit carrément, 2KK, c'est lui qui a resté là. Je pense que j'ai sa photo, j'ai fait la capture d'écran. La vidéo est là-bas. Voilà. C'est la vidéo en question. Le voici ici. Voilà. La vidéo, voilà, le voilà ici. C'est la vidéo en question. Je vais juste la capturer parce que je n'ai pas répondre aux artistes. Il dit dans la vidéo que 2 milliards, entre 2 et 4 milliards ont été partagés dans toutes les préfectures. Mais regardez, imaginons que prenons un seul milliard. Si 1 milliard a été partagé pour chaque préfecture, ça veut dire que nous avons aujourd'hui 1 milliard, nous avons 33 milliards qui ont été dépensés uniquement pour soutenir Mamadi. Selon lui, il parle entre 2 et 4 milliards. Mais moi, je prends 1 milliard par préfecture. 33 milliards. Selon lui, il dit que le Sénat n'a pas besoin de ça. Selon lui, selon la même personne,
que 90% des RPG, ça suffit, parce que 90% des RPG supportent Mamadi, que c'était largement suffisant, ce n'était pas la peine de dépenser les 33 et quelques milliards. Nous allons parler de ça demain. Donc, portez-vous bien, bonne nuit à tout le monde, on se reprend demain, excusez-moi. Donc, s'il vous plaît, ignorez l'affaire de Kaloum là. Oh, ça, c'est entre Spartacus et Mamadi, c'est entre les deux. C'est les deux là, c'est pas, mais ce n'est même pas Baba. Quelque part, les gens me disent que Spartacus est pour, parce qu'il leur a appris que Michel Lama a été exécuté par Baba. Il a appris que la mort de Célestin aussi a été mise sur lui. On dit que c'est lui qui a tué Célestin. Et il n'était pas au courant même de, parce qu'il n'était pas au pays. Il dit qu'il n'était pas au pays. Et ça, c'est vrai. C'est Baba qui est le coordinateur des exécutions Baba. C'est Baba qui enlève les gens et les envoie à Kassa. Mais on veut le tenir responsable, lui. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Mais on, non, laissez ça, ne vous préoccupez pas. Ça, c'est entre eux. Tout ceci là doit aller à la CPI. Voilà, et même Coloco, ce sont des sauveurs. Laissez comme ça. C'est lui à parler, puis c'est terminé. Abana, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend. Merci, excusez pour le retard d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Demain, nous allons revenir sur le patriarcat de Kisdou. Voilà. On y conseille Badama avec les frères Kishi. De Kakisdou Kafar, il y en a. Comme ils savent que Kakisdou, c'est la mère, c'est l'université du RPG, quoi, là, avec un saboté, ça ne peut pas passer. Bonne nuit, portez-vous très bien. Portez-vous très bien. Mmh.